parle-nous un peu, c'est quoi ce pouvoir de l'imaginaire? Eh ben, c'est d'arriver simplement à se représenter quelque chose qu'on pensait pas possible. Je vais te donner un exemple tout bête. Cet été, j'ai suivi l'expédition de Swann Périssé qui est partie de Paris à Copenhague en vélo. Et en fait, à aucun moment dans ma vie, je me suis dit, c'est possible de faire Paris-Copenhague à vélo. Et ben, jusqu'à que je vois quelqu'un le faire et finalement que ça marche et que ça soit une belle expérience. Et en fait, c'est d'arriver à implanter dans son cerveau une nouvelle option, quoi, qui n'existait pas avant. Et ça, je trouve que en essayant des choses, en expérimentant, en le partageant aux autres, moi, je partage un petit peu sur ma petite page Instagram à ma petite échelle, mais je trouve que c'est intéressant de voir comme plein de gens, tu vois, sont revenus vers moi, notamment des femmes, parce que moi, j'ai voyagé toute seule et plein de nanas sont venues me parler que je connais pas forcément et qui sont venues me dire, ah bah, tu vois, moi, j'ai toujours rêvé de voyager toute seule, mais j'ai jamais trop osé le faire parce qu'il y a ça qui me fait peur. Puis là, d'avoir vu que tu le faisais, ça me donne envie de recommencer le projet. Et je me dis, c'est génial, en fait, il faut arriver à, en moi, ma sphère d'influence est très limitée, donc ça va impacter 4 personnes, mais je veux dire, deux C'est pas mal, personnes si qui tout le vont. monde impacte 4 personnes, attends, on fait le tour de la Voilà, Terre, ouais, c'est ça, hein. exactement. Mais je trouve que c'est important d'arriver à, ne serait-ce que tu vois sur les réseaux sociaux, dans un fil d'actualité, on est inondé de plein, 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 plein de choses. Et ben, si on arrive à inonder de plus de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires qui changent un peu la norme dominante, et ben, on aura quand même un peu commencé, pas à gagner, mais à faire évoluer la bataille des idées, quoi. Thank you.